C'est toi, Tommy? Tom Angelo. Inspecteur Norman. Y'a que toi? Y'a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé l'affaire Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de marmot? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serais pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah, dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il réplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner, pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe? Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30.